Fabrice, bonsoir. Bonsoir. On va faire un petit point sur l'excellent début de saison des Chamoiselles. Et on va commencer par le championnat. Donc c'est pour le moment 4 matchs en régional 1 pour 4 victoires. Bilan parfait. Ton analyse sur ces 4 premières rencontres. Bien, je crois que l'équipe progresse d'année en année, le groupe progresse et c'est vrai que ces 4 premières rencontres justifient un petit peu cette progression et ça nous conforte dans ce qu'on fait, dans notre projet, puisque le projet il est toujours existant et donc on veut accéder à la deuxième division dans les années à venir. Donc ça passe par une évolution d'année en année et c'est vrai que cette année il y a une très bonne préparation. Il y a un groupe encore plus étoffé que les années précédentes, avec beaucoup de qualité, beaucoup d'envie. Et c'est vrai qu'on essaie de professionnaliser un petit peu ce groupe-là. Et donc les résultats sont là pour conforter tout ce qu'elles ont pu faire depuis le début. Alors parmi ces résultats, il y a notamment une victoire probante contre une grosse formation de la poule, Limoges, sur le score de 4-3. Est-ce que ce match a été un déclic pour la confiance, etc.? Alors c'est vrai que Limoges est un gros morceau de cette poule de R1 féminine. Alors déclic, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça nous a conforté un petit peu dans tout ce qu'on a pu faire dans la préparation. Et ça concrétisait un petit peu tous les efforts qu'on avait pu faire. Mais aussi, on a fait aussi un gros match à Châtellerault, qui cette année, Châtellerault a un groupe bien meilleur. Et on a fait un match vraiment référence pour moi là-bas, plus que Limoges, où on a gagné 5-0 à l'extérieur. Et c'est vrai que ça nous a donné un plein de confiance. Et depuis, on travaille, on continue à travailler parce que ça ne s'arrête pas là. Hein. On n'est qu'à 4 matchs, on a 2 matchs de retard. Mais on va essayer de continuer dans cette dynamique. Alors pour le moment, vous êtes second à la lutte, en tête du classement avec un autre gros morceau, Poitiers 3 Cités, qui sont à 5 matchs, 5 victoires. Et justement, là, ce dimanche qui arrive, à 15h, à la Grande Croix, c'est l'opposition. Est-ce que c'est déjà le match de l'année ? Non, c'est pas le match de l'année, mais c'est vrai que c'est important d'essayer de se jauger contre ces équipes-là. C'est l'équipe favorite de cette poule. Ils veulent monter en deuxième division, ils veulent jouer les barrages en tout cas. Donc c'est vrai que pour nous, ça va être important de jouer ce genre de formation. Alors c'est vrai qu'on est en préparation de ce match-là. Là, on se retrouve donc sur un terrain et je vais en profiter pour remercier le club de l'Avenir 79 et la ville de Saint-Rémy, parce que vous le savez, à Niort, il y a beaucoup d'arrêtés. Et nous, il faut qu'on s'entraîne, donc il faut qu'on trouve des solutions. Et c'est vrai que grâce à ces personnes-là, on peut s'entraîner pour préparer ce match-là. Alors, on va faire un point sur la Coupe de France féminine maintenant. Pour le moment, 3 tours passés, dont là, dimanche dernier, la finale régionale contre Montmorillon. Ça n'aura pas été simple, malgré la division d'écart, victoire 4-3, compliqué. Oui, match difficile, mais c'est toujours des matchs pièges. Là-bas aussi, il y avait un arrêté pour tous les autres matchs, sauf le nôtre. Donc il y avait 500 personnes dans les tribunes. C'est énorme pour un match féminin. C'est une très très bonne équipe, ils ont d'excellentes joueuses. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que nous, notre équipe, sur ce match-là, elle avait 19 ans de moyenne d'âge. Donc vous savez, la pression, il faut la supporter. Moi aussi, je leur mets beaucoup de pression parce que en tant que Chamois Niortais, on a un devoir de résultat également, puisque les projets sont importants. C'était aussi de faire partie de ce premier tour fédéral comme l'année dernière. Donc ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que on continue à bien travailler et que les filles progressent. C'est vraiment leur travail. Il faut les féliciter parce que c'est pas facile, mais elles répondent présentes. Donc ça, c'est que du positif. Alors tu viens d'en parler, prochaine rencontre, ce sera le premier tour fédéral. Le tirage au sort a déjà été effectué, vous affronterez Bergerac, club de deuxième division nationale. Gros morceau, belle fête en perspective. Oui, c'est un gros morceau, bien évidemment, une deuxième division. Je pense que c'est intéressant à cette période-là de pouvoir jouer une équipe comme Bergerac. Parce qu'on va voir justement ce qui nous manque. Alors j'espère qu'on va pouvoir faire tout ce qu'il faut et d'être au top à ce jour-là pour espérer passer. Hein, parce que l'objectif, c'est de continuer dans cette Coupe de France. Parce que c'est ce que j'ai dit au groupe la semaine dernière. La Coupe de France, ça doit faire rêver. Et même au niveau féminin, une Coupe de France, ça fait rêver. Donc on va tout mettre en œuvre pour essayer de passer. Mais c'est vrai que c'est un gros morceau. Mais j'ai confiance dans ce groupe. J'ai confiance dans l'envie qu'elles ont. Et en tout cas, on donnera tout.
Si on doit donner les principales satisfactions de ce début de saison, ça serait quoi ? Oh ben, je crois que c'est la qualité, l'envie, la détermination du groupe que j'ai à ma disposition. Mais c'est aussi, j'englobe toute la section féminine, parce que c'est pas que l'équipe senior aujourd'hui. L'équipe senior, on la met en valeur, bien évidemment, parce que c'est le moteur de la section. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent dans la section, que ce soit des bénévoles, des parents, des éducateurs, des dirigeants. Aujourd'hui, on a 15 dirigeants dans la section féminine. Il y a beaucoup de jeunes joueuses, et au quotidien, tout le monde travaille pour que justement on puisse espérer arriver à notre projet de monter un jour en deuxième division. Donc moi, ce que je retiens, c'est l'évolution de la section féminine. Un point rapidement sur les autres sections chez les féminines, ce début de saison, comment ça se passe ? Oh bah, ça se passe plutôt bien dans toutes les catégories. On a fait un très très bon, une première partie excellente puisqu'on a, gagné tous les matchs. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est surtout que cette année on a énormément de très très jeunes joueuses. La catégorie des U6-U9 que Pascal Langdé donc dirige tous les mercredis, on est à plus de 20-25 joueuses et ça c'est extraordinaire. Parce que alors, il y a l'effet Coupe du Monde, bien évidemment, mais il y a aussi l'effet que la section féminine des Chamois Niortais, les jeunes ont envie de venir. Et donc ça, c'est plus qu'important. Après, la catégorie des U10-U13, c'est pareil, a fait une très bonne première partie avec Jean-Baptiste Lenoble. Et puis les U14-U17, que ce soit avec Océane Quiro ou moi, elles ont été premières de leur championnat en première partie. Donc on va entamer la deuxième partie, alors j'espère ce week-end, mais s'il y en a arrêté, ça sera la semaine prochaine. Mais voilà, tout se passe bien parce que tout le monde travaille. Voilà, il y a un plan de défini et tout le monde a envie d'aller le plus loin possible. Fabrice, merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour tous les supporters dimanche. C'est la nuit du monde là, à la Grande Croix pour affronter Trois Cités. Et puis bonne saison à toi. Merci beaucoup.